Et dans quelques secondes, il sera tout pile 9 h. La Bourse de Paris va donc démarrer sa séance et on va s'intéresser ce matin au CAC. Donc avec vous, Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors l'indice parisien, eh bien, il a commencé, on le disait, la semaine sur un petit appel d'air, hein, le bienvenu après une semaine éprouvante où il a quasiment décru de moins 5%. Effectivement, là, comme la semaine dernière, on pouvait un peu le présager. Les investisseurs sont restés en recul. Le contexte reste toujours le même, avec l'incertitude en plus du week-end par rapport à la spécificité française des élections législatives, qui ne donne pas vraiment une perspective extrêmement rassurante. Alors, comment est-ce qu'on va essayer d'aborder ce marché cette semaine, sachant qu'aujourd'hui est un jour 1, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque les US sont fermés le lundi. Donc, les volumes qui ont été traités hier ne sont pas extrêmement représentatifs des volontés des intervenants marchés. On va essayer je dirais, de préserver ce qui est préservable et de jouer le rebond technique. Au moins pour ce matin, donc entre 5 900 et grosso modo 6 000, et dans un élan de positivisme, pardon, on pourra peut-être aller chercher les 6 030, voire 6 086, ce qui me paraîtrait déjà une excellente journée. Et à l'inverse, on restera quand même très très attentif à la rupture des 5 855 et 5 756. Donc le range intraday va être plutôt étroit, à mon avis, difficile à trader comme d'habitude. Les mouvements sont relativement faibles par leur impulsivité, même si finalement l'amplitude est au rendez-vous à terme. Côté VIX, on reste autour de 30. Côté US, peut-être que des points bas ont été marqués, au moins temporaires. Donc pour l'instant, je reste toujours dans la possibilité de faire des achats et des ventes, plutôt des ventes en défendant le point bas. On est en gap haussier, mais qui veut pas dire grand-chose sur ce niveau-là. La bougie d'hier est encourageante, comme je le disais. Cependant, les volumes n'étaient pas au rendez-vous. Donc pour ce matin, on essaye de préserver un petit peu ce qui a été fait hier et sans non plus viser monts et merveilles, même si toutefois, je pense que d'ici la fin de semaine ou éventuellement début de semaine prochaine, les 6 187 restent un objectif. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et bonne journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs sont à suivre aujourd'hui? Eh bien, ne manquez pas les Market Movers.